pas à faire un petit coucou à YouTube. Et bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD. On est sur Cobblemon, on va continuer notre aventure. La dernière fois, vous m'aviez vu commencer mon équipe de Pokémon. Vous avez loupé énormément de choses, honnêtement. J'ai beaucoup, beaucoup joué de mon côté. Comme vous pouvez le voir, on n'est même plus au même endroit. On est dans un biome neige implémenté de Sakura. Voilà. Donc beaucoup, 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 beaucoup de choses ont changé. Comme l'équipe d'ailleurs. L'équipe. Je me retrouve maintenant avec un beau Lucario. Beau Lucario d'ailleurs qui a des, si je me trompe pas, d'excellents IV ainsi que d'excellents EV. Magnifique. Donc bien investi à attaque SP, tout ça. Ensuite, nous avons notre petit Cizayox. Méga évolué, bien évidemment. Bien évidemment, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, hein, ici. Tac, pareil, si on regarde ses IV, il est très très bien. Il est très très bien, et pareil pour les EV. Et ensuite, nous avons un petit Metang. Oh, qui brille. Le Metang, il brille, là. Il brille, très très bien. Le blast de Metang. Ouais. Bon, après, voilà, faut pas faire attention au nom des Pokémon. Faut pas faire attention, mais genre vraiment, vraiment pas. Tic-tac-tac. Mais enfin, sur ce YouTube, j'espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour discuter avec nous et les gens du chat qui vous ont fait des petits coucou YouTube, comme vous le voyez derrière moi. Et puis sur ce, bah, profitez bien de la VOD. J'espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Je vais ranger un peu tous mes Pokémon. Alors, j'avoue que j'ai rien prévu de spécial en vrai pour ce soir. J'ai un peu envie de faire de l'exploration, tout ça, XP un petit peu mes Pokémon, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Merci mon Shiny Dragon Scale d'avoir dit coucou. D'ailleurs, petite construction que j'ai fait, si je me trompe pas, hier ou avant-hier. Je me suis fait un petit arbre, voilà, un petit Sakura avec une maison à l'intérieur. Je trouve que c'est pas mal, je trouve que c'est assez cool. À l'intérieur, on a une petite table d'enchant, de quoi faire dodo, le petit under chest, de quoi ranger les petits trucs, tout ça. Je trouve ça plutôt pas mal. En parlant des crises d'épilepsie, c'est top tier des douleurs. Ah, je sais pas du tout, je ne connais absolument pas les crises d'épilepsie, je t'avoue que je ne suis pas du tout informé. Bonne référence, droite, oui, normalement, c'est à la fin. Comment ça? Et tic tac. Mathilde, sans être méchante avec moi et mon copain Thanès. J'ai pas compris. Bon, Rémi, bien évidemment, son équipe, elle est full garde-devoir. Hein, ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Alors, je vois que j'ai un petit icône de connexion qui est pas terrible. Oh, attendez, venez, on va voir Brie. Venez, on va embêter Brie. Mon château, vous voulez que je vous montre mon château? C'est vrai que, du coup, je l'ai pas dit, mais je me fais une arène de type acier. Enfin, je l'ai dit dans la précédente VOD, mais c'était il y a un moment. Je me fais une arène de type acier, et pour l'occasion, je me fais un château, mais un château enfoui. Donc un peu pour l'esprit chevalier, machin, etc. Je me construis actuellement un petit château. Je vais vous montrer le résultat, vous allez voir, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool en vrai. Alors du coup, vraiment, il est enfoui. Hein. Vous allez comprendre où est-ce qu'il se situe à peu près quand on sera arrivé. Mais il est vraiment enfoui pour le coup. Moi, j'aime bien le pain, étonnamment. Alors du coup, je vais enlever ma petite lumière, comme ça vous aurez la full expérience. Regardez-moi ça. On arrive au fond de la grotte. Un château vous attend. Vous rentrez dans ce magnifique château et vous êtes accueilli par le champion d'arène, du coup, moi, avec ses Pokémon de type acier en full armure. Ça va être très très stylé. Et il me reste plus qu'à faire les murailles sur le côté, refaire les piliers juste ici. Bah du coup, vous voyez pas très bien, attendez. Refaire les murailles qui sont juste ici, murailles ici. Là, pour l'instant, j'ai juste fait la façade, comment ça va rendre, etc. Donc très très cool, très cool. Moi j'aime bien. J'ai une team type feu perso, c'est ça. Rémi du coup fera une team feu et je le dis. En fait, pour accéder à l'arène de Rémi, il faudra passer par ce portail et il y aura un château dans le style du Nether. Mais du coup, pour l'arène de Rémi. Et oui, parce que
Bien sûr, on va pas s'arrêter avec un seul château. Nous, ici, on adore les châteaux. On adore les châteaux. Donc, on va se faire deux châteaux. J'allais, dodo, bisous. Y a pas de souci. Des bisous, Mathiel. Repose-toi bien. Repose-toi bien, repose-toi bien. Non, ouais, je suis grave content. Et du coup, si vous regardez sur le haut, en fait, vous vous rendez compte que au dessus c'est le lac de glace qu'on a vu tout à l'heure, où est-ce qu'il y avait l'arbre Sakura. Et oui, c'est là où est-ce qu'il y avait l'arbre Sakura tout à l'heure. Donc en fait, tout à l'heure, quand on était dans l'arbre Sakura que je vous montrais, juste en dessous, il y a l'arène. Et c'est caché. Et c'est caché. Et je trouve ça très très cool. Je trouve ça vraiment très très cool et j'aime beaucoup. Non, là par contre, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller embêter mon très cher Brie. Je vais remonter à la surface et je vais voir où est-ce qu'il se trouve. Parce que j'ai envie de voir. Il est trop fier, ça se voit. Ah bah oui, je suis trop content. Je suis trop content. En fait, j'ai eu l'idée quand j'ai vu le trou. Voilà, j'ai eu l'idée quand j'ai vu le trou. J'ai regardé Rémi, j'ai fait, viens, on fait une double arène. Ou est-ce que moi, c'est un château normal, et toi, c'est un château de feu? C'est trop bien comme idée. C'est trop bien, en vrai. Moi, j'adore. Et donc, du coup, si vous regardez, en fait, vous voyez, même sur la minimap en haut à droite, là-bas, sur la minimap, en fait, vous voyez que juste ici, il y a le premier pilier. Regardez bien la minimap, hein, parce que sinon, si vous regardez l'écran principal, ça n'a aucun sens. Hein. Juste ici, vous avez le premier pilier. Juste là, vous avez le deuxième pilier. Bon, on le voit pas très bien. Et là-bas, il y aura les autres piliers, etc. Et juste là, du coup, on a notre Sakura. Et j'adore. Comment ça, l'arbre inutile? C'est le mec qui aime pas Sakura. Oh, pour l'anecdote, mon dessous, ma poubelle s'appelle Sakura. Voilà. Au moins, comme ça, tu sais qu'on est dans la même team. Ma poubelle s'appelle Sakura. Il y a vraiment écrit Sakura sur ma poubelle. Prends Corvaius, vol acier, c'est fort. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Ah oui, je vous ai pas montré. Ah, mais oui, mais attendez. Je vous ai montré Metang, qui était shiny. Mais regardez-moi tout ça. Cette boîte, c'est uniquement des shiny. J'ai deux Frisons shiny, un Tauros shiny, un Nosferalto shiny, un Serfou shiny, un Sablette shiny, un Elidel shiny, un Castorno shiny, un Darumaran shiny, un Capidex shiny, un Laporé shiny, un Snubble shiny, un Grondox shiny, un Dolman shiny, un Ectoplasma shiny, un Liusor shiny. J'ai bavé, les gars. Un Liusor shiny, ainsi qu'un Stalgamin shiny, Mimigal, deuxième Mimigal, Gripatch shiny, Papillusion shiny et deux Miaou shiny. Ouais, on a modifié un peu le rate. Au départ, honnêtement, il était très haut. Là, actuellement, si je me trompe pas, il est... Je me souviens plus, donc je pourrais pas vous dire. Mais du coup, oui, c'est normal que j'ai autant de shiny. Hein. C'est totalement normal. Et bah du coup... Attendez, je vais regarder où est-ce qu'il est, Brie, si je me trompe pas. Sa base, elle est quelque part par ici. Donc là, on a le manoir. Et Brie, logiquement... Ah, Brie, il doit pas être à sa base. Brie, si t'es dans le live, est-ce que tu pourrais me dire où est-ce que t'es, comme ça, je viens t'embêter. Par contre, Ghost, pas mes questions comme ça, chef. Ah, je suis passé à côté d'une de tes questions. C'est quoi ton skin, chef? Mon skin, attends. Alors, je peux pas enlever les bottes parce que, comme un con, il y a eu une malédiction de lien éternel. Alors, mon skin, c'est un mélange entre un skin de moi, tout simplement, et le Wandering Trader. Par contre, là, ça lag. Et le Wandering Trader, plus les couleurs de la cape. Voilà, c'est un mélange des trois. Donc, moi, Wandering Trader, plus la cape. Voilà. Ah, mais du coup, t'as ouvert le chemin dans les ordres? Non, j'ai fait le lien entre le village des copains, celui de Brie, Manoir et Land, mais j'ai pas fait le lien avec notre endroit, nous, mon Rémi. Bon, la chance est présente, ça me fait bizarre qu'on parle de Shiny, car c'est mon pseudo. Oui, c'est vrai. Mais du coup, mon Brie... Alors, attends. T'es où, mon Brie? Que je vienne... embêter. Hop. Je sais présente. Ah, attendez, j'ai peur de louper des messages, du coup, vu que... Il est chez lui? Attendez, mais on était à l'endroit... Bah, il apparaît pas sur la carte. Bon, c'est pas grave. On va aller l'embêter.
Il a dit tout ce qu'il pense, Samdeo. Comment ça? Il a dit tout ce qu'il pense. Il a dit tout ce qu'il pense. Va peut-être falloir que je fasse un comeback sur Common Mode un jour. Ouais, ce serait bien en vrai. Ce serait cool. Ce serait cool. Que quand il est proche que ça apparaît. Bah non, des fois, genre, je regarde sur la carte et je tombe sur Brie au hasard, donc... pas forcément. Pas forcément, pas forcément. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Mais du coup, maintenant, mon Rémi, pour aller dans les heures, il faut passer par le trou, remonter, aller dans les heures, etc. C'est un peu plus chiant, mais c'est plus stylé. C'est plus stylé. C'est quoi Cobblemon les frangeaux? Bah, tu vas comprendre très rapidement quand tu vas voir ceci. Voilà, en fait, c'est un Pixelmon, mais avec des Pokémon style Minecraft, tout simplement. Tout simplement. Donc, il y a moins de trucs que Pixelmon, mais honnêtement, c'est beaucoup plus stylé. C'est beaucoup plus stylé et ça rend beaucoup mieux dans le style de Minecraft. Comme quand je vais dans le chat du serveur Pixelmon, Vanshine n'est pas cher, ça fait bizarre. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je préfère 80 fois Pixelmon à Cobblemon. Ah ouais? Bah, Pixelmon, c'est plus complet. Pixelmon, honnêtement, c'est plus complet. Mais Cobblemon, je trouve que le style est vraiment cool. Hein. Tu vas réussir à aller le raccoon. Et coucou, coucou. Alors attends, c'est Fraxinos. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je veux la bagarre. Ça donne envie, Cobblemon. Mais t'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ça? Du coup, c'est un serveur qui est ouvert à tous les joueurs de la SUP ou même modérateurs de la SUP. Donc, on va pas l'ouvrir pour l'instant à tout le monde. Peut-être une fois qu'on aura fait nos arènes, etc. Mais ouais, pour l'instant, on le garde pour les joueurs de la SUP. Comme ça, au moins, on s'évite les lags, etc. On est good, voyez. On est good, on est good. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Ah oui, du coup, vous allez pouvoir voir le chemin dans le nether que j'ai fait. Ah, mais j'ai pas de bateau, putain. Faut que j'aille chercher un bateau. Connais-tu la légende de le raccoon? Bah écoute, je suis capitaine de son équipe, donc bah écoute, oui. Oui, oui, j'ai envie de dire. Oui, un petit peu. Non, par contre, hier soir, c'est vraiment venu de nulle part. Il y a eu des le raccoon dans tous les sens, de nulle part. De nulle part, c'est quand même fou. Faut se le dire. Je vais essayer d'enlever un arbre qui est pas trop dérangeant parce que ça reste pas chez moi ici. On va prendre un arbre au hasard et on va se faire un bateau avec. On va péter celui-là, tiens, voilà, parfait. En plus, il fait chier pour rentrer dans la maison, c'est parfait. C'est parfait, hop. Et je vais en profiter pour en remettre au niveau du chemin dans les heures, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. C'est une légende, donc. Bah, tout dépend comment tu le vois. C'est vrai que les supporters de le raccoon sont des légendes. Ça, je le dis, c'est vrai. Après, la personne à l'origine de la légende, donc le raccoon, bah, il va falloir qu'il fasse ses preuves. Non, en vrai de vrai, le raccoon est bon. Le raccoon, de toute façon, me pète sur VR, hein, soyons honnêtes. Le raccoon me pète sur VR. Mais c'est vrai qu'il a tendance à faire des erreurs bêtes et à se démoraliser très vite. Voilà. Et yo ta neige, comment tu vas? Ça va très bien mon Antoine, content de te voir dans le chat. Content de te voir dans le chat. Hop. Et puis bah du coup, bah voilà le chemin pour passer d'un endroit à un autre. J'ai essayé d'enlever les Pokémon qui spawnent, mais malheureusement il y a quand même des Spododo, des Chamallow. Oh putain, mais non, mais par contre là c'est de l'abus. J'ai essayé d'enlever le spawn avec les boutons, mais ça marche pas des masses, malheureusement. Faudrait trouver une autre solution. Faudrait trouver une autre solution. Ah, j'ai vu un à boire, pardon. Je suis passé à côté. À ta santé, mon cher le BG. Ravi de te voir en stream, c'est gentil. C'est gentil. Ouais, attendez, il y avait un shiny, là. Il y avait un shiny. Attendez, c'est quoi, ça? Ah non, c'est un Scorplane, rien à voir. C'est juste un Scorplane. Je me suis ambiancé pour rien. Je me suis ambiancé pour rien. Tu dodges pas tout, loser. Bah c'est parce que je lis les messages en même temps. Bouge ta mère, toi. Des panneaux. Des panneaux, ça coûterait cher. Et je suis pas sûr que ça fonctionnerait. Hein. Je suis pas sûr que ça fonctionnerait, malheureusement. Non mais ta mère. Putain, par contre, c'est trop chiant, les Pokémon sur la route. Autant sur Minecraft de base, les piglins, etc. On peut les enlever avec les boutons. Là compliqué, hein. On se calme, monsieur le langage. Ça va.
Ça va, ça va. Quoi, tu peux les tabasser? Ouais, on peut tabasser. Dans Cobblemon, justement, on peut se tabasser avec les Pokémon. Bon, eux, ils peuvent pas tabasser en retour. Mais on peut les tabasser, ouais. On peut les tabasser. Ce qui est assez satisfaisant, hein, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Et merci, Faxinos, pour ton follow, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Content de te voir parmi nous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oh, je trouve que j'ai bien trouvé l'endroit pour l'alerte de follow. Je trouve que ça marche bien. Oh, j'ai eu peur. Attendez, c'est moi ou le chat vocal ne fonctionne pas? Merde. J'ai l'impression que mon chat vocal ne fonctionne pas. Est-ce que c'est bon, là? Non, j'ai l'impression qu'il y a un problème. J'ai essayé de découdre quoi. J'ai essayé de découdre quoi. Oh, le pauvre, il m'a vu arriver pour au final que je me barre. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Allez, là, ça va pas vouloir reco. Hop. Connexion au serveur. À partir du moment où ça fait chiffrement, ça va lancer. Ça va lancer, ça va lancer. Connexion au serveur. Allez, allez, allez. On ne paye pas 15 balles par mois pour que tu nous empêches de jouer. Allez, allez, allez. Allez, allez. Parce que oui, de base, on était sur un serveur Aternos pour pouvoir faire... du Cobblemon, de toute façon, la dernière fois, je crois que je l'avais dit, hein, quand j'étais en live dessus. On était sur un serveur Aternos, sauf que au fur et à mesure, bah, le serveur, il suivait plus. Donc, on est passé sur un serveur payant. On a mis 5 euros chacun dans le serveur. Et depuis, voilà. Non, par contre, pourquoi j'ai cette icône-là de... C'est bizarre, cette histoire. Merde, à chaque fois, je me trompe. C'est bizarre, cette histoire. Ah, je peux amplifier son son. Je crois que ça vient de mon côté en plus. Hein. Non, c'est pas ça. Non. Appuyer pour commencer, appuyer pour masquer tous les icônes du chat vocal. Non. Je crois que j'ai fait de la... j'ai fait n'importe quoi. Appuyer pour parler, non, vocal, audio 3D. Non. C'est bien mon Nvidia Broadcast, Mars. Le parleur, c'est bien celui-là. Bah tiens, est-ce qu'il faudrait pas que je relance carrément mon jeu? On est d'accord, vous l'entendez pas, hein? Vous l'entendez pas, le bris? Vous l'entendez pas, bris, là? Bris, toi, est-ce que tu m'entends tout court? Si tu m'entends, est-ce que tu peux mettre un message dans... que ce soit dans le chat Minecraft ou dans le chat ici? Non, on l'entendait pas. Bah, de toute façon, moi, je l'entends pas, donc ça m'étonnerait que vous l'entendiez. Ce serait quand même vachement bizarre. Mon bris, du coup, est-ce que tu m'entends? Ah, ouais, mais non, mais je pense que c'est moi. Hein. Je pense pas que ce soit toi, mon bris. Je pense pas que ce soit toi. Je vais essayer de relancer le jeu, parce que ce serait dommage, quand même, de passer à côté de la belle voix de bris. Ce serait dommage. Ce serait dommage, ce serait dommage. Je restart. Bah, du coup, moi aussi, j'ai restart. Au moins, comme ça, on est good. À la limite, peut-être en profiter pour restart le serveur, si t'as la possibilité. Ça vient 100% de moi? Bah, c'est moi, en bas à gauche de mon écran, il y a une petite prise barrée. Tu utilises quoi pour stream? C'est-à-dire, parce que en soi, pour stream, j'utilise un PC, trois écrans, un clavier, un micro, des lumières. J'utilise Twitch Studio. D'accord, tu utilises quoi comme logiciel? Du coup, j'utilise OBS. OBS qui est un peu un logiciel un peu brut, mais une fois que tu le connais, c'est un bonheur à utiliser. C'est un bonheur à utiliser. Donc si tu veux te lancer dans le stream, honnêtement, c'est pas mal, mais ça va peut-être te perdre au départ. Ça va peut-être te perdre au départ. Hop. On attend un petit peu, voir si le serveur est good. Ah non, vous voyez, peut-être que Brie a relancé le serve, on sait pas. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Chiffrement. On va voir si on a un petit icône sur en bas à gauche. On va voir, on va voir. Ah, là j'ai l'impression que ça a l'air d'être ok. Non, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Faut double screen pour avoir les alertes et le chat? Non, 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 pas forcément. Pas forcément, pas forcément. Tu... Alors, en gros, sur OBS, ça fonctionne avec en mode... tu prends un lien internet... Et tu peux le mettre sur OBS, mais bon, il vaudrait mieux que tu regardes des tutos pour faire ça plutôt que demander ici, parce que honnêtement, là comme ça, je pourrais pas plus t'aider. Je pourrais pas plus t'aider. Mais en gros, OBS, c'est plusieurs scènes avec des modules à chaque scène que tu positionnes un peu comme tu veux. Et ensuite, tu vois comment ça marche.
En vrai, il y a pas mal de tutos sur internet pour comment utiliser OBS, etc. Donc, je pense que tu pourrais trouver ton bonheur assez facilement. Je sais pas, mon ref. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mon Brie. Bah, à la limite. La limite. Discord. Hop. À la limite, Discord, au pire. Au pire, au pire. Comme ça, au moins. Allez. Au moins, comme ça, vous aurez mon Brie. Tac. Bon, ce sera pas en chat de proximité, mais au moins, vous l'aurez. Et c'est déjà ça, hein, j'ai envie de dire. C'est déjà ça. Ah bah Brie aussi, il avait le même logo que moi. Ah attendez, je rejoins Brie en vocal. Je vais juste rajouter sa voix si j'ai la possibilité. Coucou mon Brie. Salut. Salut, salut. Alors attends, faut juste que je rajoute ta voix. Je sais pas si t'apparaît. Toi aussi tu l'as la prise en fait? Ouais, je l'ai aussi. Je l'ai aussi, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Ah ouais. Hop, Sûrement un hop. problème du mode alors. Sinon, j'ai l'impression que vous pouvez l'entendre. Est-ce que je peux avoir une réponse dans le chat, me dire si vous entendez bien mon très cher Brie et si vous entendez toujours le jeu d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression qu'on l'entend Coucou. plus. Hop. Ouais, n'hésite pas à faire à dire quelques petits mots qui sachent. Ah bah là, ce doudouvet, franchement, pas mal. Ouais, on entend les deux. Magnifique. Merci mon Sean, t'es un goat. T'es un goat, t'es un goat, t'es un goat. À chaque fois que je dis goat, j'ai l'impression que je dis god, mais mal prononcé. Ah franchement, mon petit Shaun, t'es un god. Ouais, on entend bien, Après, il te fait magnifique. bien, c'est un dieu. Ouais, si on part sur ce genre de délire, ouais, c'est un dieu, hein. Si on parle en anglais, oui, c'est un dieu. Oui. Ah. Ah, mais à chaque fois que je viens voir Brie, à chaque fois, il tombe dans une des crevasses. Je vais le Vraiment. reboucher. En plus, t'as déjà commencé à le reboucher ici. Oh, j'ai rien fait, hein? Attends. Ah bah, c'est pas moi, ça. C'est qui ça? C'est peut-être Rémi ou un truc comme ça, je sais pas. Ah, En c'est vrai, quelqu'un les qui a inventé seuls. ça. Peut-être moi, en vrai. Ah bah, voilà. Ah bah, voilà, magnifique. Est-ce que t'as envie de faire une aventure? Est-ce que t'as quelque chose de prévu? Parce que j'avoue que moi, j'ai lancé un live, mais j'avais pas forcément grand-chose. En tête. Bah. Il y a toujours Métamorph, mais bon. Ah, Métamorph, c'est vrai que tu Voilà. faisais une chaîne et tout. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Ah, j'en profite. Je veux votre avis là dans le chat. J'ai proposé cette déco pour les murs à Monsieur Brie. Là, ça, c'est moi qui l'ai fait sur ce côté. Qu'est-ce que vous en pensez? En sachant que lui, il veut se faire une arène de type fée. Ah, bah d'ailleurs, justement, il vous montre le magnifique Misdibul Shiny, bien évidemment. Il veut se faire une arène de type fée. Et donc, du coup, ce genre de mur, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon Sean qui dit j'aime bien. J'avoue que j'aimerais bien quelques avis si possible. Si possible, si possible. Ah, c'est du beau boulot. C'est gentil, mon Brie. C'est gentil. Brie, tu as vu mon En setup? plus, Ah, ça il y fait de la a. musique, ça fait de la musique. Ouais, ça fait de la musique, c'est trop bien. Il y a Sean qui demande si t'as vu son setup. Oui, il me semble. Oui. Il te semble? Et il y a aussi mon Attends, je GerloBG viens de qui dit que c'est vérifier. beau, je suis content. I like it, Rage, merci! Merci, mon Rémi, vous êtes Vraiment. adorable, décidément, ce soir. C'est très beau. Ah, vous êtes gentil, vous êtes gentil, vous êtes gentil. D'ailleurs, je l'ai pas entendu de vive voix, du coup, mais qu'est-ce que t'en penses de mon Sakura? Oui, bah oui, je suis pas encore venu le voir, mais ça a l'air incroyable, de sous la neige et tout. Merci, merci, merci. Que ce soir, non, mais particulièrement ce soir, vous êtes très gentil. Vous préférez que je fasse la phrase complète. Vous savez quoi? À chaque fois que je vais faire une phrase, je vais essayer de la faire la plus complète possible. Comme ça, vous n'aurez pas la possibilité de me reprendre. Petit gentil ce soir et les autres soirs, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Qui va être le premier à venir, OMG. Non, Brie, il est déjà venu. Brie, il est déjà venu, je l'ai déjà montré. Tu sais, mon Rémi, t'as pas été très présent ces derniers temps sur Cobblemon, donc je voulais montrer ce que je faisais, tu vois. Donc il a déjà vu. Il a déjà vu. Eh oui, j'ai vu beaucoup de choses. Ouais, en vrai, t'as vu le début des travaux pour le château, si je dis pas de bêtises. Ah non, j'avais pas encore fini de creuser. Bah, tout ce que je sais, c'est que tu fais beaucoup plus de choses que moi, ça c'est sûr, toi, à la construction, t'es au taquet. Moi, ça m'amuse. Oui. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup.
D'ailleurs, pour l'anecdote, une fois j'étais en train de faire des reproductions avec le Metamorph Shiny de Brie. Je regarde au loin, je vois quoi? Des aromates rouges. Le gars, il vit ici. Il n'avait pas tilté qu'il avait en face de lui des aromates rouges. Vraiment, genre, je regarde comme ça. J'avais même pas Optifine à ce moment-là. Hein. Maintenant, je l'ai, donc je vais pouvoir vous montrer. J'étais vraiment juste ici. Je regarde là, je vois un point rouge. Je fais, mais attends, mais c'est pas des aromates rouges, ça? Et genre, si j'avais eu Optifine, j'aurais pu regarder comme ça. Et c'était vraiment des aromates rouges. En plus, c'est les seuls qui me manquent. Mais oui, mais en plus, c'est ça qui m'a fait tilter. Genre, pour moi, genre, tu dois être à l'affût. Et au final, non. Non. Vraiment. Bah, après, c'était loin, c'était loin. Non, en vrai, ouais, c'était ici, un peu difficile à voir. Si je me trompe pas, ah, attends, c'était vraiment juste là. Tu me. Si tu vois mon écran, mon bris, tu ouais, me je confirmes. Regarde. Ouais, c'était à peu près là, ouais, ouais, ouais. C'était à peu près là, ouais. Donc, à peu près juste ici, quoi. Bon. J'aurais pu mieux voir, c'est vrai. T'aurais pu mieux voir, ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Non, en vrai de vrai, est-ce que. Oh, mais tiens, est-ce qu'on se referait pas une aventure dans les Zen City pour essayer d'avoir un Splice of Life? Ah oui. Allez, bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, pour ceux du coup qui savent pas, c'est-à-dire tout le monde, on a fait quelques aventures pour essayer d'avoir les objets pour récupérer les légendaires. Et il y a le Splice of Life qui permet d'invoquer Xerneas, qui pourrait être très intéressant du coup pour Brie, pour son équipe de type fée. Donc du coup, là, on va retourner dans l'End, essayer de retrouver ça. Ça pourrait être très très cool. Ça pourrait être très très cool. Oh que oui. Mais en gros, là, du bien coup... bien fort, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais donc là, du coup, on va faire un petit voyage dans l'End. On va pouvoir discuter et tout. Ça va être très très cool. Ça va être très très cool. Ouais. Par contre, là, tu traînes le cul, là. Bah ouais, ouais, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Hop. Mon cul est bien énorme et lent. Tu viens pas avec moi? Alors en vrai si, parce que... J'étais vraiment triste premier. Sur les Pokémon là. Par contre je vois rien avec ton museau encore. Je vois rien. Si tu veux le capturer tu peux. À tout moment blackout. Ah attends, j'ai des rapid balls. Ah j'en ai aussi, mais plus beaucoup. J'ai un stack. Ah le bâtard. Attendez, prochaine fois, j'envoie mon Lucario et il meurt. Ok. Non, 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 ok. J'ai eu peur. Pour au final le tuer, je suis vraiment con. Non, j'ai eu peur, mais pour le tuer. Ah, shit. Vas-y, vas-y, tu peux rejoindre. Ah, mais du coup, ça a fait pop tous les Pokémon en face. Oh là là. Ouais, là, non, là. Et les boutons, pareil, ça fait rien. Ouais, ça fait rien, je suis dégoûté. T'as réduit le taux de spawn, magnifique. Ça, c'est cool. Ouais. Parce que, non, comme c'est... je te le disais la dernière fois, là, j'étais en train de... je sais plus si j'étais en train de faire le lac ou commencer le château, mais genre, je construis. Au fur et à mesure, je pense, en 2 heures de temps, j'ai dû voir 6 shiny. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, ceux-là, je les ai pas capturés, mais ça faisait beaucoup. C'est vrai que j'avais peut-être mis un peu beaucoup. J'avais mis 5 Pokémon par truc, ce qui est énorme. Ouais, à la base, c'est 1. Donc là, j'en ai ah oui. Deux. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui. Ouais, et puis question de lag aussi, mine de rien, à force, je suis lagué aussi, quoi. Oh, tiens, il y a un bloc de dirt là. Oh là 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 là. Eh, mais attends, ce serait pas la. Ah bah non, du coup, non. J'allais dire, c'est la première fois qu'on fait un stream ensemble, mais pas du tout, du coup. Oula. Bah non, puisque Cobblemon en avait déjà fait. Ouais, du coup, ouais, on avait déjà fait la dernière fois. D'ailleurs, clip légendaire de la zipette, hein. Ah, putain. Ah, ta santé, mon cher RPG. Il est légendaire, ce clip. Oh, t'as mis de l'opsy. Ouais, bah, j'en avais beaucoup, du coup. Vraiment, je crois que j'ai pété un des piliers. Et du coup, j'ai mis tout l'opsy ici. Attends, je mets l'eau. Ah, bah, parfait. Hop, voilà, tu me dis. J'ai failli enlever l'eau en plus. Ah merde! Attends, t'es passé? Ouais, ouais. Oui. T'es passé? Hop, je récupère l'eau, magnifique. C'est bon!
C'est bon, c'est bon. Let's go. Alors, du coup, on va sortir le petit Corvaillus. Tac, tac. Ah. Tu me dis quand t'es dedans. J'ai ma tête enlevée, ça. Ouais. Prochaine étape, stream IRL. Ouf. Jamais fait ça. Jamais fait ça. Il m'a demandé tout à l'heure aussi. Un stream IRL, il t'a demandé encore. Putain. Ouais, en gros, il voulait que qu'on se voit IRL, mais hey, on se connaît depuis 3 semaines, les gars. Ouais, ça fait... Ouais. Après, on s'entend bien, mais bon... ça se trouve, c'est un tueur en série, hein, Bricoro. On sait pas, hein. Bah, on sait pas. Ça se trouve, je récolte des infos. même pour ta neige, on sait pas non plus. Ah, on sait pas, on sait pas. Hein. Les gars, ça fait 2 ans que je stream, vous savez rien de moi, ça se trouve. Quand Ona, il dit... ouais, je suis dans la... Merde, il dit pas la cave, il dit le grenier de ta neige. Ça se trouve, c'est vrai, hein. Vous savez pas, hein. Ah, c'est peut-être un vrai appel au secours. Ça. Si t'es raciste. C'est vrai que ça, ils le savent. Ça, ils le savent. Oui. Alors, pour la VOD YouTube, je suis pas vraiment raciste, hein. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh, on rigole. Ouais, il faut péter un petit coup, là. On se détend le trou de belle, là. Je suis en train de me rendre compte. Comme j'ai dit à Shaun, à la grande limite, tu vois, si vraiment un jour il y a un truc qui pourrait nous réunir IRL, genre un event et tout, faire un stream dehors, ce serait vachement cool. Ouais, ce serait très cool. J'en profite pour répondre à mon Lera. Apparemment, il y a un décalage entre ma bouche et ma voix. Je regarde. En fait, je regarde par rapport à la courbe et par rapport à ma bouche. Ça m'a l'air d'être assez similaire. Ou alors il y a un tout petit décalage. Mais du coup, des bisous, mon Lera. Vu que tu dis que tu pars en même temps. Des bisous. Merci pour ta l'heure que pendant ce live, ça fait plaisir. Et très content de vous avoir, de t'avoir retrouvé ce soir. Un vrai plaisir. Il aime juste pas beaucoup de monde, YouTube, c'est ça. Putain, ça c'était ma phrase, ça, au début. Il y a quelques temps, je disais je suis pas raciste, mais j'aime juste pas beaucoup de monde. ouais. Ah, j'aimais beaucoup. Je te jure que le décalage est assez impressionnant. Après, ça peut être taco, parce que moi, de mon côté, ça a l'air assez similaire. Après... J'ai vérifié de mon côté et ça va. Et ça va. Bon, bah... Possiblement l'aco, du coup, mon Lera. Après, peut-être que ça dérange que je laisse le live de mon côté. Bon, j'ai mis sans son, mais voilà, j'ai mis la leur, quoi. Ouais, je sais pas. Si tu veux, il y a un apnée raccommodage ici en casque de fer, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Pour visiter, etc., ça peut être pas mal. Ah oui, c'est bon, c'était juste moi, désolé, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Vas-y, mon gris. Ah putain, ça a pas marché. Hey, tu me trahis? Oh merde, je me suis foiré en plus. Bon là c'est pas de ma faute, il y avait un escalier. Mais oui, c'est vrai, t'enlèveras pas ta tête. Que le mien, parce que je me suis mute pour roter. Alors que depuis tout à l'heure je fais des gigarots. Ouais, mais je suis pas chez moi. Bah, les gars, on va faire un sondage, Brico rote ou pas? Bricorotte. Pas mal. En vrai, je veux juste un oui ou non dans le chat. Et comme ça, Bri saura s'il a le droit de roter sur mes lives ou pas. Juste un seul, une personne. On se bat sur cette personne, la plus rapide. Moi, j'aime bien faire ça. Ah, les retardataires ont toujours tort, ça. Ah, bah oui, bah évidemment. Là, sur le clavier, là. Juste un oui ou un non. Reg qui dit oui, donc tu as le droit de voter. Bravo, mon Bricoro. Bravo. Ah, oui, point d'interrogation. Mais... Je crois qu'il a juste pas suivi. Il a juste entendu qu'il fallait mettre oui ou non. Oui. Bricoro, ça va être ton surnom pour demain, ça? Bricoro. Allez, un jour. Moi, je préfère ça à Brioive, bizarrement. Ouais. Mais du coup, c'est un nom de ville ou un truc comme ça, Brioive? Non, c'est un gamin qui s'appelait comme ça. Ah, d'accord. C'est un petit garçon. Ouais, okay. Oh, et ça se voit que je connais bien mon Rage, hein, parce qu'il vient de répondre totalement.
Ça, je connais quelle bien. Synergie. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il est modérateur de la SUPR maintenant. Et il peut en être fier. Qui? Mais d'ailleurs, mais oui, mais c'est vrai, toi aussi, tu viens de passer modérateur de la SUP. C'est vrai, on n'a pas vraiment fait d'annonce là-dessus. Attends, mais Reggie les modo SUP? Ouais, Reggie les modo SUP, oui. Mais c'est super! Ah bah oui. J'avais pas oublié. Alors attends, en modo SUP de tête, il y a Reg, il y a Brie, il y a Crayon et il y a Arnaud, si je dis pas de bêtises. Eh ben, ça fait du beau monde. Ah, ça fait du beau monde, ça fait du beau monde. Hop. Mais Reg, ça fait un moment qu'il est modérateur. Bah en fait, je l'ai accepté au même jour que Crayon. C'est pour ça qu'on avait refusé à Tsu et à toi, parce qu'il y avait beaucoup de demandes pour être modérateur. Non, mais je comprends. Moi, joueur, déjà, ça m'allait. Tu sais. J'étais déjà content. Bah, super. GG Brie, bienvenue. T'inquiète, on ne meurt pas. C'est adorable. Non, c'est moi qui meurs, t'inquiète. Oh, Zygarde, oh. GG. Tu le veux? J'en ai déjà un, je crois. Ou alors c'est toi qui en as un? Je sais plus. Attends, moi, je crois que j'ai l'autre version. Je crois qu'il y a... Tu sais, il y a deux versions. Il y a la version aplatie et il y a celle-là. Tu veux? Non, comme tu veux. Je regarde les messages. Si y a Zygarde-chien. Si y a Zygarde-chien, j'en veux bien. Je vais décaler, je dois rester à l'affût de quand mon pote finit. Et de toute façon, je suis un peu trop fatigué pour être sur le live. Y'a pas de soucis, t'inquiète pas, mon Arnaud. J'espère que t'as passé un bon moment et j'espère que t'es content que les lives à 20h30 soient de retour. Bon, en tout cas, je suis vraiment très très heureux. Oh. T'as voulu anticiper que je l'enlève? Ouais, on sait jamais. Ça se voit, mon Brie, il a l'habitude. Ah ouais, de ouf. Mais tellement, mais genre... ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu une bonne carte premier degré. Je suis choqué. Je la remontre. Je la remontre à la cam vite fait. Bon, vous la verrez pas très bien. Mais la carte qu'on a eue tout à l'heure. Ouais, Brie est joueur et il est aussi modérateur. Il vient de passer modérateur là... Cet après-midi. Très honoré de ma nouvelle tâche. Bah écoute... La carte est incroyable. Ouais, la carte est incroyable. Mais du coup, pour repartir sur le truc du modérateur, honnêtement, faut qu'on soit totalement honnête. On a vu comment tu gérais bien la situation avec les horaires, etc. Pour le dire un peu à tout le monde. On a vu comment il gérait bien la situation. Il a mis ses couilles sur la table, il a dit écoutez, vous donnez vos horaires, les gens ont donné leurs horaires, alors on a dit ok, Brimodo, voilà. Voilà. Après, c'est important de bien organiser les choses, que ce soit clair, et puis bon, il y avait un petit peu un pressing en face. Hein. Ouais, le samedi dernier délai, je l'ai toujours en travers de la gorge, hein. Je vais rien dire, hein, mais je l'ai toujours en travers de la gorge. Hein. Ouais, je comprends. Ah putain. Le samedi dernier délai, je suis très désagréable. Ouais, c'est ça là, putain, avec sa pépé requin là, frère. Oh là avec là. Sa boîte de pâté friskies qui s'est renversée sur son suite, oh putain. Non, mais en vrai, le gars doit être très sympa, mais pète un peu plus haut que son cul là pour le coup. Voilà, j'apprécie pas énormément. On a des êtres humains en face, hein. Il faut qu'ils se rendent compte aussi. Bah ouais, c'est ça. C'est le même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie. Ah tiens, Team Toxic qui me dit d'éloigner un peu mon micro, excusez-moi, j'ai pas fait attention. Y'a moyen que tu le mettes dans ta bouche un peu. Ouais, pas de soucis, je peux faire ça, si vous appréciez comme ça, moi j'aime bien. Ça a bien marché ou pas? Ouais, franchement, ouais, plutôt. Pas déçu. En vrai, j'aurais pu le gober, mais je me suis dit non, quand même pas. Marcel. Je sais pas si tu la connais, la vidéo où le mec il dit Good morning England et après il bouffe le micro. Putain. Ah non, ça me dit rien. Oh, mon Dieu. Ça me dit rien. Et coucou mon team toxique. Coucou. Ah, on va aller de l'autre côté. Aïe. Ah, c'était pas toi que je visais. Aïe. Bah tu passes pas. Ah merde. Tu passes pas, voilà. Tant bien, on va passer là. Hop. Ah bah oui, profite des élytres. Oui, bah ils sont bientôt morts. Ah merde, va falloir les réparer à un moment. Oh, il a vite récupéré le diamant. Oh ouais. Mais en fait, faudrait que je mette un raccommodage, mais 28 émeraudes. Ah, ça coûte cher. Hein. Ouais. Là, je te l'aurais pas enlevé, hein. C'était trop haut, t'inquiète.
Ouais, ok. Je te l'enlève seulement quand je sais que tu vas pas mourir. Excellent, je mets un live entier comme ça. Tout l'inverse de l'ASMR, tu sais. Ouais, vraiment. Attends, vas-y, on va remonter. Du coup, on a fait là. On a fait là. Bah, du coup, la logique, ce serait d'aller là. Attends, parce qu'on est là. Ouais, du coup, on va aller là. Hop. Pour l'instant, à part Zygarde, aucune trace de légendaire de XY. Ouais, c'est vrai que ça a pas beaucoup bougé, malheureusement. Après, on a juste pas de bol, c'est tout. J'ai tellement hâte de jouer à Pokémon, mais Melon DS me fait des phases. Ah ouais, c'est vrai, il faut que je t'aide avec ça. Hein. Faut que je t'aide avec ça. Mais j'ai essayé de lire rapidement avant le live. Je t'avoue que le côté, ça te met un écran blanc. J'ai peur. J'ai très peur de ça. C'est que malheureusement, ton PC n'arrive pas à suivre. Ah oui, c'est dommage pour un émulateur DS. Bah ouais, parce que écran blanc, ça veut dire soit problème graphique, soit problème avec les fichiers du coup de Melon DS. Oh, j'ai eu peur. Oh, PMLG. Oh, what the fuck. Ouais, c'est ça qui m'a choqué, c'est plat. Brie va faire une arène, ouais, il va faire une arène de type fée. Ouais, j'ai peut-être une idée. Alors attends, il y a Rage. Il y a... Pardon, du coup, je te coupe. Il y a Rage qui te demande, tu dis... Sup, S-U-P ou soupe? Ah, je suis le premier à avoir dit soupe, hein, les gars. Non, les gars, c'est non, la S-U-P. En vrai, sans faire exprès, souvent je dis sup, mais je commence à faire l'effort. Magnifique, magnifique, magnifique. Et une personne qui me respecte ici, ça fait plaisir. Du coup, tu parlais de ton arène, merci. Excuse-moi. Ouais, j'ai peut-être une idée, tu sais, faire une sorte de... Tu sais, une petite fée comme dans Zelda. Mais genre en énorme, avec des particules et tout, enfin, voilà. Oh, ça pourrait être incroyable. Oh, une Ultra Beast. Oh, pyrotechnique. Oh, attends, c'est où ah, bah attends, c'est zéro. Bah, il est là. Ah non, c'est Haute de Fer. Mais il y a Haute de Fer. Mais... Moi, je le vois en sosie. En shiny, il serait trop stylé. Moi, je le vois en normal. Tu le vois en normal, merde. Je peux pas le capturer, donc... Mais ça restera pour moi. J'ai un... Ah, t'as un i5 12e génération. Ouais, ça serait étonnant, 4600 et j'arrive pas à faire tourner. Ouais, je sais pas. Je crois pas. Je pense que j'ai mal géré les paramètres graphiques de l'EMU. Bah, normalement, Melon DS, c'est pas le plus gourmand niveau paramètres graphiques. Donc, après, si tu me dis que t'as un bon PC, bon, voilà. Attends, il est peut-être là. Ouais, Pyrotechnique est juste là. Oui, il est là, je le vois. Il est trop marrant comment il se déplace. Oh, c'est dommage que tu loupes ça. C'est attends. Exceptionnellement marrant. Tiens, prends le jeu. Alors attends, ce serait plus Kale's Collection ou Missing Mon d'après toi? Allo, Brie? Ce serait plus Kale's Collection ou Missing Mon? Alors, pour Pyrotechnique, je pense que c'est Missing Mon. Attends, je vais chercher au pire. Je vais regarder vite fait. Brie n'est pas belge. Apparemment, il y a une. Non. Mais j'ai l'impression que tu dois avoir un petit problème technique, mon Brie, parce qu'il y a eu un moment où est-ce qu'on t'entendait plus énormément et ça a bien grésillé. Et là, j'ai l'impression que t'as un petit délai. J'ai l'impression aussi. Ouais, je crois, ouais. Alors, attends. Non, c'est pas Missing Mon. Attends, tu l'as capturé? Ah non, si, c'est bien Missing Mon, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Ah ouais, il est rigolo. C'est Discord. Ah, c'était Discord. Merde. Ah ouais, c'est vrai qu'il est rigolo. Ah, j'aime bien. J'aime bien. C'est Feu Spectre. Merde. C'est Feu Spectre. Ça peut être pas mal. Est-ce que... Ah, tu bug, hein, mon ref. Hein. Je sais pas si c'est toi ou si c'est autre chose, mais ça bug. Bah écoute, je me mute le temps de... Vas-y. Hop, bon, du coup, je vous voyais plus. Tac, tac, tac. Quoi, on reste.
Je regarde les messages que j'aurais pu louper, hein, les gars. Toujours Discord, je suis hyperactif. Je sens vraiment le besoin de faire quelque chose. Ah, tu l'as vu avec Dossi de Julia. Ouais, je me souviens, ça m'en... Soirano, ça, je m'en souviens. Brie n'est pas belge, souris les belges, je vous aime. Comment ça? Alors, une autre personne belge de la SUP, c'est bah déjà Arnaud. Et ensuite, on a Angel Absol. Hein. Angel Absol est belge et une personne très agréable, donc je comprends pas. Je comprends pas, mon Rage. Non, mais j'ai rien contre les Belges, c'est super. Ouais, les Belges, ils sont c'est SUPR. Bon, non, bah, pyrotechnique, il me casse les couilles, hein, donc on va... On y va. Je bug plus, ça va? Ouais, là, c'est ok. Là, c'est ok. Ah, je pense que ça n'aimait pas que je mette le stream en même temps. Ah, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Mais du coup, c'était bien Missing Mon, hein. Mais faudra que je l'enlève avant de retourner sur un PC, du coup. Ouais. Justement, à ce propos, je voulais en parler. En fait, il y a un mode qui a été mis à jour dernièrement. Ouais. Bah, c'est Pixel Pokéball Cobblemon tout court. C'est passé en 1.5.2. Ouais. Et apparemment, tu n'es pas le seul à avoir des crashs à cause de Gimme Ghoul. Ah bah écoute. C'est un truc du mode complètement. Ah, ok, bon bah... Au moins je sais que c'est vraiment à cause de ça. Angel, son seul défaut, c'est qu'il est belge, mais j'adore les Belges. Mais comment ça, mon Rage? Comment ça? Non, les Belges, ils ont la joie de vivre. C'est des bons vivants. Arnaud, il a dit, je me disais bien avec sa voix, il est belge. En parlant d'Angel Absol. Mais il parle pas comme ça, une fois. C'est vrai qu'il a pas le fort accent, mais en vrai, ça s'entend un tout petit peu. Ça s'entend un tout petit peu. C'est des petits... Ouais, c'est des petits trucs, tu vois. Des petites intonations, des... Comme nous, il y a des petits trucs qui montrent nos origines aussi. T'as dit tout comme nous? Bah, nous aussi, on a des petits trucs. Ouais. Genre, quand on dit « po », tu vois, les trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, « po ». J'y arrive pas. Si j'ai peut-être plus tanné, j'hésite pas à me demander à faire des annonces. J'adore ça et j'en ai déjà fait. Ok, c'est bon à savoir, mon Arnaud. C'est bon à savoir. D'ailleurs, ça me fait penser. Je voulais te faire ton salon, tu sais, pour tes tournois. En fait, à l'époque, sur Raymond, Arnaud était modérateur et il avait régulièrement des tournois de personnages. En gros, il proposait des personnages. Et on devait choisir qui était le meilleur. Et du coup, quand je l'ai recruté, je lui avais dit « Ouais, tu pourras refaire ça sur le serveur, ça c'est cool. » J'ai cru que t'étais passé à côté. Et sauf que je l'ai pas refait depuis, faudrait que je m'en occupe. Non mais si, c'est trop bien ce genre de choses, faut faire vivre le serveur de toute façon. Même au-delà de Plasma, c'est ça qui fait notre force, je pense aussi. Ça renforce la cohésion. Bah ouais, c'est pas mal. Et puis, ça fait, comme tu dis, ça fait de l'animation. Ça donne un peu l'avis général, etc. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. En plus, là, il parle de faire un tournoi des meilleures techniques. Ça peut être intéressant. Tournoi meilleur esprit guerrier. Tournoi meilleur perso de telle saison. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Ah oui. Ouais, franchement. Et puis, ça permet d'avoir les opinions de chacun et tout. C'est cool. Ouais, et puis en plus, maintenant, sur Discord, t'as les sondages directement intégrés. Donc, tu peux directement faire, ça peut être très bien. C'est vrai que c'est pas mal, ça. Discord, bah ouais. Il y a tout. Ah ouais, c'est clair. Hein. Moi, je sais pas ce que je ferais sans Discord. Hein. Ouais, maintenant, il y a même des messages vocaux, des sondages. Là. Ouais, c'est vrai. Aller loin à l'époque Skype. Ouais, dis-toi, j'ai même pas connu. Hein. Enfin, j'ai connu vite fait. Ouais. Ah oui. Le jeu d'avocat, merde. Discord. Mais un nouveau jeu qui est génial. Perso, je l'adore et j'aimerais le conseiller. Tu parles des activités, mon Rage. Les trucs qu'on peut faire en vocal, c'est pas mal ça aussi. Moi, j'adore c'est Bubble League. C'est trop bien. Il y a Tutu la dernière fois, il m'avait mentionné sur un jeu. Ouais. En gros, t'étais dans. Attends, je vais retrouver son message. Ça parlait d'IA qui te donnait une situation. Ouais. Avec toi et d'autres joueurs. Ouais. Et vous devez dire comment vous devez vous échapper de cette situation. Oh. Et l'IA, après, te calcule les résultats, etc. Enfin, ça avait l'air simple. Oh, c'est pas mal. J'ai une liste longue comme le bras, Missy Max, Totem, Armure, Technique. Ouais, non, mais il y a de quoi faire hein, avec les petits tournois. Et puis,
avec le nom tournoi, je trouve que ça marche bien avec la SUP, tout ça, ça nous correspond bien. C'est cool. Puis même s'il y a besoin de faire des visuels, etc., je pourrais faire des visuels, ça peut être pas mal. Ça peut être très très cool. Hop. Le jeu s'appelle Death by AI, c'est ça. Death by AI, ok, je connais pas. Quelqu'un décide une situation pour laquelle on doit tous écrire une action pour éviter de mourir, et l'IA dit tout ce qui se passe pour tout le monde. Ok. Oh. Alors Rage qui nous dit « Oui, Bri, je t'adore, tu es le second meilleur modo derrière moi. Je parle de cette activité. » Ah, donc c'était bien cette activité-là. Est-ce que t'as dit donc Death by AI? Je savais même pas, donc. Ah bah, comme quoi. Tu utilises PixArt, c'était primo. Ah, pour faire les VS, etc. Non, mais en vrai, je pense que ça, je m'en occuperai, mon Arnaud. Parce que en ce moment, je suis bien chaud pour faire des dessins. J'aime bien. Donc. Puis ça permet de suivre une DA. Comme ça, on a ton propre truc. Pas besoin d'utiliser des générateurs, tu vois. Et c'est beau, ça laisse une trace, quoi. C'est stylé. Oh, il a osé. Il a lâché le tacle des générateurs. C'est pas une balle perdue, non. Juste que c'est un effort qui est notable de faire sa propre patte graphique, excuse-moi. Et voilà, et de la garder. Bon, c'est des efforts à faire, hein. C'est pas facile, faut trouver le temps. Ouais, c'est pour clair. Ça que je n'aime pas non plus les autres. Non, mais on a vu des logos qui, honnêtement... Ah, voilà, quoi. Non. Par contre, la génération de logo paria, ça... ça... Ouais. Vous avez toutes les excuses du monde, ça passera pas in my opinion, après. T'as les Elytra juste ici, vu que les tiennes sont pétées. Ah, merci, c'est gentil. Regarde, je bois le seum de la concurrence. Blablabla. J'avais envie de dire quelque chose, mais pas en stream. Attends, comment ça certaines personnes. Et je vois de qui tu parles. Eh oui. Je t'ai envoyé le meilleur exemple en MP. Je regarderai ça après le live si ça te dérange pas, mon Rage. Hop. En vrai, ça pourrait être pas mal si on fait ça tous ensemble. Ouais, non, ça pourrait être cool. Et puis, même. Non, peut-être pas en live, c'est mieux en vocaux si on est tous ensemble. Ouais, parce que j'ai déjà tenté ce genre de choses en stream. Et nous connaissant. Ouais. On sait. Voilà. On se sait, on est au courant. Voilà. Ça permet de libérer. Oui, c'est vrai, en soi, Arnaud a dit d'une personne qui serait la traduction en anglais de fils. Oui, non, mais j'ai vu. Ouais. Moi, je pensais à plusieurs autres personnes pendant des interclans, ce genre de choses. Ouais. Après, voilà. Ça restera ici, mais bon, devinez quand même, on dira pas. No problemo, juste que je t'ai envoyé. Ne pas clairement en stream. Oui, j'imagine ne pas faire en stream très clairement. J'imagine. Ne pas clairement en stream. Oui, bon, ouais. C'est pas Twitch friendly tout ça. Ah, j'imagine. C'est ça qui est plus drôle. Bah oui, c'est pour ça en vocal, ça va être incroyable. On va se taper des barres. D'ailleurs. Ah, mais attendez, j'ai mis un live vendredi, moi. On va changer le planning. On va changer le planning vendredi. Non, mais... C'est bien ça, hein, c'est vendredi le Among Us. Ouais, vendredi 21h, ouais. Ok, je le dis maintenant. Vendredi, je serai peut-être pas en live. On va rester nous de notre côté pour pas qu'il y ait de stream hack ni quoi que ce soit. Bah, c'est surtout encore une fois pour. Pour être détente. Après, si tu veux stream, vas-y. Mais je contrôle pas ce qui sera dit, quoi. C'est sûr. Ouais, et puis même certaines personnes viendront et voudront pas forcément qu'il y ait leur voix, etc., sans qu'ils soient prévenus auparavant. Ouais. Donc c'est non. Bah, du coup, live de vendredi, je pense que vous pouvez l'oublier, les gars. On va se faire du Among Us sur le live, sur le Discord de Bri. Ensemble, donc ça va être très très cool, ça va être très très cool, vous pourrez m'y rejoindre là-bas avec mon très cher Bri, ça va être très bien, je suis très content, très très content. Normalement il y aura du beau monde, hein. Ça pourrait être sympa. Voilà, bah je vois déjà Rage et Arnaud qui sont intéressés, ça va être très bien,
Ça va être très très cool. Bah, écoutez, le lien, vous pouvez venir le chercher sur mon Discord, si jamais. D'ailleurs, je sais pas si j'ai mis un lien vers ton serveur Discord sur mon serveur Discord à moi. Je ne sais plus. Je ne sais pas, je suis pas là pour faire ma pub non plus. Ouais, mais s'ils veulent rejoindre l'Among Us, là on parle juste de l'Among Us. Ah oui. Non, bien si sûr, ça bien peut sûr. En plus ramener des gens chez toi, attends. Hop. On se rappelle de Francis. Qui est Francis? Racontez-moi. Francis se rappelle de... Alors attends. On se rappelle de Francis. Ah bah écoute, moi non plus je l'ai pas là tout de suite. Après il va sûrement dire une phrase qui va me refaire revenir tout d'un seul coup. Mais là tout de suite je l'ai pas. Là tout de suite je l'ai pas. C'est vrai qu'Among Us ça me manque. Ça manque un peu. 2 ans que j'ai pas touché perso. Ah bah moi je crois que j'ai dû faire une game. C'était en live à l'époque avec un streamer. Et c'est ah tout. Oui c'est tout. Ouais bah justement bah, c'était celui que je te parlais la dernière fois qui m'avait m'avait vu sur un live Minecraft et puis qui m'avait un peu présenté à sa communauté. Ouais c'est ça mon sensei, exactement. Ah bah encore piroté. Il y a là-bas juste en face. Il y avait rien du tout ici malheureusement. Ouais, j'ai vu ça date de fou. De passe de combat et tout, c'est... Dites-vous, à l'époque où est-ce que j'ai fait Among Us, le seul qui était modérateur de la chaîne, c'était Furilac. Onanoko n'était pas modérateur. Et Onanoko, ça date! Ça date! Le seul à l'époque, c'était Furilac. Et non, Fury n'était même pas encore modérateur. Pour vous dire! Donc ça date d'à peu près, j'ai envie de dire, 2 ans et quelques hein, quand même. 2 ans et quelques. En stream, t'avais fait du coup. Ouais, j'avais fait en stream, ça streamait un peu dans tous les sens. J'ai demandé si j'avais droit à stream la partie. Ils ont dit oui, bien évidemment. Je fais, allez, c'est parti. Il y avait que mon Fury dans le chat, mais j'étais très content. J'étais très très content. Tu as volé le droit d'être VIP. Le droit d'être VIP? Comment ça? Ah oui, anecdote. À un moment, j'avais mis je crois que c'était 100 000 points de chaîne. J'avais mis le fait de pouvoir récupérer le VIP. Ouais. C'était devenu l'objectif de mon très cher Ona. Sauf que, arrivé à un moment, il était tellement sur les lives que je lui ai dit, ça te dit que tu rejoignes la modération. Sauf... On ne peut pas être VIP et modérateur en même temps. Donc arrivé au moment où est-ce qu'il a eu ses 100 000 points de chaîne, il a pas pu. Ouais, c'est bah, un après, peu triste. Bodo, non. Oh bah moi c'est ce que je pense. Après c'est à lui de dire ce qu'il préfère. Hein. Par contre là t'as failli me tuer. Hein. J'ai pas d'élytra moi. Hein. Oh. MLG avec ton Corvulus. Ah, quoique, là, il y a l'eau. Là, il y a l'eau. Oh, mon Corvallus, il a failli me faire tomber. Ah, attends, j'ai bu quelques là. J'ai bu la soupe. Ah, attendez. Du coup, Francis... Ah, mais c'est celui, d'accord. Ça, en fait, Francis, c'est celui qui avait apparemment dessiné des bzaises, etc. Sur Gartic. Ouais. Voilà. C'est quoi ce bordel? Ok. Voilà, okay. Un vrai plaisir. En stream, genre? Ouais, j'étais en stream. Le gars a voulu faire son intéressant. Il a fait des gros bzaises. Bon, en soi, ils étaient bien faits, hein. Ils étaient bien faits. Mais bon, pas vraiment le meilleur endroit, oui. Quoi. Faut même pas que ce soit trop bien fait, justement. Ouais, c'est ça le problème. Merde. Après, techniquement, c'est pas toi. Ouais, mais après, c'était il y a un moment. Il n'y avait pas encore le truc de. On pouvait dessiner des trucs nus sur Twitch. D'ailleurs, je crois que ça a été enlevé entre temps. Merde! Ah oui, ça a duré 24 heures. Ah, mais oui, c'est ce que tu me disais la dernière fois. Ou alors Rémi, ce qu'il me disait. Bon, il n'y a rien là-haut. Il n'y a rien là-haut. En fait, je sais pas, mais. J'en sais rien s'il y a quelque chose là-haut, mais j'ai la flemme. Ok. Y'a rien, c'est bon. Y'a rien. Hop. Ça me...
Il y a moi qui récupère tous les trucs tranquillou et toi on te voit dans le coin comme ça en train d'essayer. Ya! Ah! Oh putain, je suis mort. Aïe. Attends, je sais pas si on va par là. Non, y'a rien par. Quoique. Quoique. Et si, regarde-moi ça. Ouais, bah, vas-y, c'est super. J'arrive, hein. Oh, bah t'inquiète, j'ai déjà tout récupéré. Ok. J'en fais plus des pupitiers, sauvez-moi. À force, mon âme, et pourtant, j'ai vraiment mis au minimum du minimum. Il y a quelques temps. Mais ça, c'est. Quand t'es affilié, c'est obligatoire, c'est vraiment chiant, quoi. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'ailleurs, peut-être dire un au revoir à la VOD. Je pense que c'est le bon moment. Les gens dans le chat et même mon très cher Brie. Je vous laisse faire un petit bye-bye à la VOD. Moi, en tout cas, YouTube, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Ah, désolé, mon Brie, on te voit plus sur la cam. Attends, je vais vous remettre mon très cher Brie. YouTube, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie, que ce soit moi, Bricoro ou même les gens dans le chat. J'espère que vous aurez pu profiter correctement de cette VOD et que elle était bien, tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez pu apprécier, si vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes que vous voyez dans le chat juste au-dessus de moi. Regardez-moi ça, ils vous font des petits bails YouTube. Sur ce YouTube, moi, je vous fais des bisous. C'était ta neige. Ciao YouTube. Musique de fin. Petit bisous YouTube. Merci à tous ceux qui sont arrivés là jusqu'à... Ouais, je sais plus parler. Je pense que vous avez compris, YouTube. Des bisous, YouTube. Merci d'avoir été là jusqu'à maintenant. Je vous refais des bisous. C'était ta neige. Ciao, YouTube.